Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue à l'Apéro pour ce nouvel épisode de Shadow of War. Comme vous pouvez le voir, hop, nous reprenons exactement après le petit combat de fosse auquel nous venons d'assister. Nous rabaissons l'ennemi en question. Rabaisser, histoire de pouvoir le garder sous le coude pour plus tard. Comme je l'ai dit, les effets de flamme, de poison, tout ça, sont extrêmement intéressants vu qu'ils désorientent au passage l'adversaire. Quoi, t'as dit quoi? Non, tu tiens personne du tout en fait. Oh, bichette. Ah oui, il pleut effectivement, j'avais pas fait gaffe. J'aurais aimé justement qu'il y ait un effet de pluie un peu plus intéressant. Pardon ? Hop là. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on doit faire maintenant ? Qu'est-ce qu'on doit faire ici ? On pourrait aller s'occuper d'un chef. On pourrait aller s'occuper d'un chef. Alors lequel a plusieurs de mes potes dessus ? Bah écoutez, c'est la déception. Il n'y a personne pour bosser dans ce milieu. Alors, j'aimerais, s'il te plaît, que tu t'occupes de ce monsieur, Zougor la brute. J'aimerais, s'il te plaît, voilà, que tu infiltres. Fosse de combat, parfait, on va t'y envoyer. J'aurais peut-être pas dû faire ça. Ah, j'ai deux lance-flammes, le destructeur et le brûleur. On va envoyer faire ça pour qu'ils grimpent en level. Parce que j'ai l'impression qu'ils sont un peu short en level vis-à-vis de la région. Hop, voilà. C'est parti. Et on va aller viser ce mec à 35. Je pense que ça va être bien plus intéressant pour nous. Il est un peu plus loin que prévu, malheureusement. Mais bon, ce n'est pas si grave. Hop, on y va. Crac. Hop, bonjour. Excuse-moi, j'aimerais des informations sur cette personne. Il me reste ce chef de guerre que je ne connais pas. Le mange-montagne, d'accord, c'est stylé visuellement, je reconnais. Non, mais non, mais non, mais non, mais non, non. Allez. Allez, voilà. C'est pas l'armée, quel dommage. Allez, allez. Voilà, on est bon, là. Parce que j'ai l'impression qu'ils sont un peu limitants en termes de niveau. Et j'aime pas ça. J'aime pas cette sensation de faiblesse qu'ils ont parfois. Hop, c'était pour la forme, hein. Allons-y. Mais qu'est-ce que j'en ai à faire que tu donnes l'alerte ? Allez, viens. On y va. Allez, viens. Viens. Voilà, c'est bon, on se casse. Ah, quand est-ce que je pourrais invoquer un Drake ? Désolé ! Bloc ! J'ai dit désolé, restez au sol. Restez au sol. Bon, c'est pas grave. Tu es son Karagor, mais il t'a rien fait, mon Karagor ! Connard ! Tu sais pas comment on fait en plus pour tuer un Karagor, c'est ça qui est chiant. Tu sais pas comment on fait. Je pourrais te montrer, regarde, on fait comme ça. Hop, voilà. Et il a pas souffert. C'est une vieille trahison de la mort qui tue, mais il a pas souffert. Il est stylé à droite. Il est absolument stylé à droite. Ah mais lui il est ventre flamme, ce qui veut dire qu'il est enflammé et pas lui. J'en ai ras la denture de t'entendre jacasser. Il est tellement stylé. J'ai hâte de te faire la peau. Globe. Nous allons nous battre, je crois. Tu es prêt? On ne dirait pas. Ouais, j'ai peut-être fait une erreur en les envoyant les deux. J'ai peut-être fait une erreur. Alors attendez. À l'épreuve des flèches. Génial. Bien. À l'épreuve des flèches aussi. Et apparemment, ils sont à l'épreuve du gel en plus pour ce qui est de celui-là.
vais vous tirer tous les deux. Et il est insensible aux exécutions. Mais dis donc, à quoi es-tu sensible, mon ami? Comment s'appelle On est sensible à quoi? Bonjour. Pas de soucis, il y en aura pour tout le monde. Insensible à la gelure. Ah, celui-là, tu l'as senti par contre, cool. C'est ça qui est bon. Erreur de ma part. Vous jurez que ça me saoule. Hop les, allez, vas-y, casse-toi. Je te soumets, je te rabaisse et tu te casses. Ce qui fait que l'autre il va gagner. Il est perturbé, c'est ça que je comprends pas. C'est... Oui, oui, tu fais mine d'être important, vas-y. Voilà, on avance soi-disant dans le temps, mais en fait non, c'est ça qui est débile. Merci. Hop les. Bah alors, on a un problème, l'ami? Oh. Oh. Il va pas s'en remettre. Ah oui. Ah bah là, en termes de level, j'en connais qui vont... Wouah. Bien joué. Bien joué, bien joué. Je vous aime, les mecs, hein, honnêtement. Hein. Vous le saviez, hein, mais... Vous le saviez, mais... Bref. Désolé copain. C'était pas mon but. Il va se faire péter. Je l'ai compris qu'après. Ah. Qu'est-ce qu'il va faire? Il est débile. Tu m'auras pas. Les mecs, faut que vous partiez. Alors, je sais pas s'il faut que je m'en aille pour que vous en alliez, mais si c'est le cas, je me casse. Hop, il faut que vous partiez. Voilà, bien les mecs. Bien, bravo. Ça c'est quoi? Chasse au gul. Arisu les trémanes, une chasse au gul. Cool. Plus zéro expérience. Génial. Absolument excellent. Voilà, ils sont partis. Cool. Coalition! Destruction! Hop là. Ouh, mais pas passé au-dessus, loin au-dessus là. Mais putain! Ah oui, d'accord, non, j'ai pas le droit d'y aller là en fait. Waouh, la marche! Non, mais arrêtez, mais. Pff, c'est un triple A! C'est un triple A, ils vendent un DLC, un Season Pass, mais le contenu du jeu laisse à désirer. Enfin, non, pas le contenu, la qualité du jeu, la finition du jeu laisse à désirer. C'est quand même atrocement triste. Atrocement triste. C'est pas facile à dire la première fois, dis donc. Ouais. Mais ouais, enfin, je suis désolé. Hein, je peux paraître un peu dur avec ce jeu, mais. Je veux dire, c'est un système de combat qui a fait ses preuves. Et qu'il le loupe à ce point, je suis. Bonjour. Mon chef suprême voudrait que je t'informe qu'il va mettre fin à tes jours de la façon messager. La plus abominable. Prends note. Pas de soucis. Par contre, si ça te dérange pas, bonhomme. Bon, les messagers, ils rentrent pas au bercail. Désolé d'avoir à te le dire. Tu fais? Ah, c'était stylé. T'as eu des couilles? J'ai bien aimé.
tu voudrais bien venir dans mon armée du coup? J'ai un message à te passer. Merci, c'est gentil. C'est qui ton pote? Ah, je peux pas te laisser infiltrer quelqu'un, quel dommage. Ok, casse-toi. Non, je t'ai dit, casse-toi, y'a pas de soucis, c'est bien. Je vais voir ailleurs. Ouais, voilà, t'as tout compris. Ah, ils sont rigolos. Ça se sentait chimique. Bonjour. Merci pour l'argent. Je sais pas, moi je dirais l'argent. Après cet entraînement. Hop. Bonjour. Ah, apparemment t'étais un ver. Ok, cool. Bah, connaissez déjà les forces et faiblesses. Ah. Le mâcheur de peau. Cible tendre. T'aimes pas les flèches. Ok, je saurais m'en souvenir. Hop. Allez, on grimpe. Merci. Crac. Hop, c'est parti. Chasse au ghoul. Harisu, le destructeur, mène une chasse au ghoul. Au ghoul. Ghoul. J'ai envie de dire ghoul à chaque fois, je suis désolé. Extinction des fous. Les ghouls arrivent. Cool. Oglic le caché. Le gâché. Le gâché. Ah. Oh, le pauvre. Et t'es heureux ou t'es malheureux? Je croyais que tu pleurais. Ah, il s'en fout. Ok. Ok. Où est la matriarche? Bonjour. Dégage. Merci. Il a réussi sa chasse. Niveau obtenu 1, par contre ça c'est un peu ridicule. Si je puis me permettre. C'est un petit peu ridicule. Non. Je sais pas si il rigole ou s'il pleure. Apparemment il pleure, mais des fois il se marre, le pauvre. Aïe. Hop, ah, forcément, insensible à l'exécution. Voilà. Non, par contre, honnêtement. Voilà. J'ai pas fait une acrobatie. Oh non, mais paye ton jeu quoi. Le bug de la mort. Génial. Allez, viens avec moi. Merci pour la santé. Tiens, on va essayer ça, hop les. Allez, allez. Allez. T'es en repli, t'as dit, tu veux te casser? Non. Non, non, reste avec nous. Reste avec nous. Voilà. Cesse de pleurer et va expliquer chef de guerre. Merci. Pardon, tu disais? À genoux devant qui? Voilà. C'est bien tes potes qui va venir nous. Non? Ah oui! Oh bonjour! Oh! D'accord. Lancez pas toutes vos armes dessus. Ok, bon bah du coup. La suite. Je vois qu'ils sont tous plus ou moins disponibles en plus. Et donc on va s'en faire un avant de. Non? Hmm.
Ah là 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 là. On va s'en faire, hein, de toute façon, c'est pas grave, on va tous se les faire. Et puis faites pas chier. Ils sont où? Ils sont où? On a 15 minutes, on a largement le temps de s'en faire au moins un. Ils sont là. 1200 mètres quand même. C'est chiant. Et bonjour! Si encore je pouvais me TP. Personne. Regardez, il y a personne sur la tour, quoi. C'est dommage. Ah. Gantan! Hop là. Et je cours, je me raccroche à la vie, je me saoule avec le bruit des gens qui m'entourent, comme des liens de nœuds et de tresses, sans comprendre la détresse des mots que j'emploie. Bonjour! Putain, oh, ils sont aveugles. Oh oui, ils sont complètement aveugles. Hop. Ah bah oui, je sais qui t'es toi, je sais malheureusement que t'as des gros problèmes avec les flèches. Mon pauvre. Si les guerriers de ce chef de guerre disparaissent, il sera forcé de se battre lui-même. Ouais. Par exécution au sol, ouh. Ce qui veut dire que je peux les affronter comme je veux. Celui-là il veut pas. Il y a des murs, il veut pas les grimper quoi. Il est capable d'être grimpé hein. Oh, oh. Oh. Attends. Oh, ouais. Il faut que j'allume le feu. Donnez le signal. On est bien. Ah, il vient. On va revenir sur lui plus tard. Bonjour! Allez, venez m'affronter! Toi, on a rien à foutre, tu viens m'affronter. Bon, c'est pas grave. Ils sont où ces torsionnaires? Bonjour, je cherche des torsionnaires, s'il vous plaît. Oh, il était hébété il y a 2 secondes. Oh, et tu sais quoi? Hop les, dégagez. Je cherche des torsionnaires. Ils sont, me dis pas qu'ils sont tous autour d'un feu ou d'un truc du genre. Hop les. Et 2-3. Il y en a un qui a survécu dans le tas, on sait pas encore ni pourquoi ni comment. Allez, on va se les faire au cac. Merci d'être venu. Au revoir. Voilà, l'autre il arrive. Ouh chac. Ah bon? Ah tiens, j'en connais des gens derrière toi. C'est rigolo. Voilà, merci. Alors, tu frappes ou pas? Tu frappes, quel dommage. Voilà. Ah, j'ai pas accès au bonus, c'est pas cool. Comme ça, ça permet d'aller directement affronter le mec.
En mode ninja d'ailleurs, on va le faire. Bonjour. Quoi? Comment ça tu m'as vu? Dégage, effectivement, oui. Tu montes? Oh non, mais il y a un pauvre pic qui monte pas, quoi. Ça y est, c'est la fin du slip. Enfin, la fin du slip, ce n'est pas une expression connue, mais c'est pas une expression du tout d'ailleurs. Hop les, bonjour! Ah bah dis donc, les flèches lui causent d'importants dégâts. Okay. Crac ! Ça fait mal ça ? Ouais hein. C'est pas top hein. Bonjour. Je t'accorde la mort. Ah bon ? Si tu poses la main sur moi, je te la coupe. Et ce sera pareil si tu la poses pas. Oh merde. Il souffre encore lui aussi. J'ai traumatisé des gens dans cet épisode. Oh là là. Bon bah du coup, vu que vous êtes tous traumatisés, je préfère encore mettre fin au... à tout ce qu'on peut dire à mon sujet, c'est-à-dire... Il est pas censé être... sensible aux flèches, justement. Cette blague. Tu es un misérable, effectivement. Allez. Pars très loin et ne reviens jamais. Ok. Du coup, les amis, on va se laisser là pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut les gens et yop !